Mis en examen pour homicide involontaire, Pierre Palmade a dévoilé l'étendue de ses addictions lors de son audition. Invité de Quotidien ce jeudi 2 mars 2023, Jérémy Ferrari s'est exprimé sans détour sur l'affaire. En évoquant ses propres addictions, l'humoriste a expliqué ne pas être en mesure de juger son confrère. Jérémy Ferrari se confie sur son addiction à l'alcool dans son dernier spectacle, l'humoriste épie les défaillances de notre système de santé et n'épargne personne. Il évoque également ses addictions et ses troubles obsessionnels compulsifs. Pour rappel, si est à l'aube de sa trentaine que le spécialiste de l'humour noir a débuté une longue et terrible descente aux enfers. Notamment à cause de son addiction à l'alcool. Et de révéler, à partir du moment où j'ai accepté l'alcool tous les soirs, les angoisses sont devenues plus importantes. Et à un moment donné vous vous levez un matin, et vous êtes incapable de fonctionner. De fil en aiguille je me suis retrouvé à boire toute la journée du matin au soir. L'humoriste a de la compassion pour Pierre Palmade sur le plateau de Quotidien, ce jeudi 2 mars 2023, Jérémy Ferrari, qui a réussi à vaincre son alcoolisme, a été invité à réagir à la triste affaire Pierre Palmade. Et le moins qu'on puisse dire, si est-il que l'humoriste ne sait pas trop où se mettre. En effet, il est partagé entre la compassion et la colère. Colère contre son ancien collègue parce que, contrairement à lui, il n'a pas réussi à se sortir de ses addictions. Mais celui qui a été révélé par l'émission On Aime Demande Qu'à en Rire refuse également de pointer du doigt le comportement du comédien, car il se trouverait hypocrite en agissant de la sorte. Et d'expliquer, j'ai aussi de la compassion parce que j'ai pris le scooter en étant sous, j'ai pris la voiture en étant sous. Il faut être honnête, je l'ai fait, donc je ne vais pas me mettre au-dessus en disant regardez ce qu'il a fait, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça, ça ne serait pas honnête. Jérémy Ferrari a conclu son propos en tentant de faire de la prévention à propos des multiples addictions. En effet, selon lui, arrêter la drogue, l'alcool peut permettre aux addicts de faire des choses incroyables et merveilleuses. Le tout, si est-il de le vouloir.